Bonjour, c'est Julie. Mon bizutage se poursuit. Alors, après avoir présenté ma première chronique devant un vrai public, il y a 15 jours, voilà que je dois remplacer le dictatup au pied levé pour vous souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de la rentrée. Vous êtes sur Podcast Science, saison 5. Nous sommes le mardi 9 septembre 2014 et c'est l'épisode 184, première partie d'une émission en deux volets dans laquelle Irène nous parlera d'hormones sexuelles. Ce soir, nous allons parler de la pilule. Bonsoir et bienvenue. Autour de notre table virtuelle ce soir, Irène, tout d'abord. Bonsoir tout le monde. Johan, Robin. Ouais, moi je suis toujours là, tout va bien. Alan, en Suisse, toujours. Salut la compagnie. Et puis, quant à notre dictature bien-aimée, il choisit toujours des excuses grotesques pour faillir à sa mission de servir la science dans la joie. Donc à l'heure où nous parlons, il est soi-disant dans un avion pour l'Allemagne. Non, mais sérieusement. Et pour mettre tout cela en beauté, nous avons également dans la chatroom notre dessinateur préféré, Pouillot. Salut Pouillot. Alors, au sommaire de cette émission. Alors, Irène nous a préparé un magnifique dossier sur les hormones sexuelles qui parle de la pilule et d'orientation sexuelle. Alors, comme c'est dense, du coup, on a préféré le couper en deux. Ce soir, Irène nous parle donc de la pilule contraceptive. Nous prendrons ensuite les questions d'auditeurs présents dans la chatroom. Alors, pour rappel, en ajoutant le tag @PS à votre question, cela nous permet de ne pas la louper et de la relier à Irène facilement en fin de présentation. On entendra le pitch de l'émission de la semaine prochaine par Irène. Une quote. Un point sur le quiz de l'été. Et quelques plugs. Mais trêve d'introduction, Irène, la parole est à toi. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'hormones encore une fois. Mais cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur les hormones sexuelles. Alors, on va parler d'abord, grosso modo, qu'est-ce que c'est. Et puis ensuite, on parlera d'une des applications certainement les plus importantes qui en dérivent, c'est-à-dire la pilule contraceptive. Alors, les hormones sexuelles, c'est quoi? Eh bien, on va commencer chez les garçons, pour ne pas les frustrer. Tout simplement, la principale hormone sexuelle mâle, c'est la testostérone. Tout le monde en a entendu parler. En fait, il y en a toute une myriade, mais vraiment, celle qu'on connaît le plus et la plus importante, on va rester sur la testostérone. Alors, elles sont synthétisées surtout par les testicules, qui en fait fabriquent aussi des hormones sexuelles femelles. Donc, chez l'homme, il y a quelques hormones sexuelles en petite quantité qu'on trouve aussi chez les femmes. Et aussi, en fait, une petite portion des hormones mâles vont être transformées dans le sang en hormones femelles, en fait. Et puis, à côté de ça, chez l'adulte, la testostérone, elle est produite en continu par les testicules, et son rôle principal, c'est de réguler les fonctions reproductrices, donc en assurant la formation des spermatozoïdes. Voilà, on sait aussi que l'hormone de la testostérone, on peut la caractériser, on dit souvent que c'est l'hormone de la force physique, elle favorise la prise de muscle aussi, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souvent les sportifs les utilisent pour se doper. Ils utilisent des molécules qui ont des structures proches de la testostérone pour cette raison. C'est une hormone aussi qui favorise la perte de graisse et qui augmente la libido. Ensuite, au niveau du mental, elle favorise l'esprit de compétition et elle favorise aussi l'agressivité. Ce que souvent on ne sait pas, c'est que bien qu'elle ne soit pas aussi bien définie que la ménopause, il existe une sorte d'andropause chez l'homme, c'est-à-dire une baisse de la concentration de la testostérone, qui peut intervenir chez les hommes en étant associée à des désordres de l'humeur, en fait. Donc c'est pas très bien connu, mais ça existe, en fait. Donc l'équivalent de la ménopause chez les hommes, c'est l'andropause, donc. Alors, chez l'adolescent, les hormones sexuelles, évidemment, elles ont un rôle très, très important. Donc, chez le garçon, elles assurent le développement de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire le développement des organes génitaux et la pilosité, le développement des muscles, des glandes sébacées. Elles font changer la voix et puis, y a un peu souvent un comportement agressif qui peut se développer à cause de grâce, comme on veut, à la testostérone. Voilà. Alors, chez la fille, c'est un petit peu plus compliqué.
il y a deux types d'hormones sexuelles chez la femme. Il y en a donc, il y a la progestérone et les estrogènes. Alors là encore, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'estrogènes différents, mais on va se concentrer donc sur ces deux mots, la progestérone et les estrogènes. Alors ces hormones, elles sont sécrétées en très grande partie par les ovaires, surtout à partir de l'adolescence. Mais chez la fille, on trouve aussi de la testostérone, donc cette hormone mâle qui est également sécrétée, mais en très faible quantité, par les ovaires. Donc on peut parler de trois types d'hormones ovariennes chez la femme. Alors, elles sont responsables chez l'adolescente, pareil, de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, donc le gonflement des seins et l'élargissement du bassin, par exemple. Par contre, elles ont aussi un rôle très, très important chez la femme adulte. Hein. Elles interviennent donc dans le cycle chez la femme. Et c'est une sécrétion qui est cyclique, donc c'est le cycle génital. C'est une sécrétion qui n'est pas continue. C'est pas comme chez l'homme où la testostérone est sécrétée en continu. Et donc, le cycle génital féminin, lui, comporte deux phases. On sépare donc cette période en deux phases, une période de 28 jours, mais qui est séparée en deux. La première partie qui est liée à la formation des ovules, et la deuxième partie qui commence juste après la sécrétion des ovules, qui dure toujours 14 jours, celle-là, elle est vraiment fixe. On sait que souvent, les femmes, elles ont un cycle qui peut être de 25 jours, 30 jours. En revanche, la deuxième partie du cycle, elle est toujours fixe et c'est celle qui, normalement, prépare l'anidation, qui prépare donc à la fécondation et à l'anidation. Ou alors, s'il n'y a pas de fécondation, c'est une période qui va enclencher les règles, s'il n'y a pas eu donc de fécondation. Voilà. Alors, les œstrogènes, eux, sont produits par les ovaires pendant la première moitié du cycle et ils permettent à cet ovule de mûrir jusqu'à son expulsion. Parallèlement, les œstrogènes, ils stimulent la production de ce qu'on appelle la glaire cervicale avec une légère dilatation du col de l'utérus et tout ça, c'est pour faciliter l'accès aux spermatozoïdes. Voilà, donc pour essayer de favoriser la fécondation. En revanche, après l'ovulation, c'est la progestérone qui va prendre le relais et elle va préparer, elle, éventuellement, l'utérus à l'implantation de l'œuf fécondé. Elle maintient le col de l'utérus fermé et elle assure aussi le développement des glandes mammaires. Donc, tout ça, c'est pour mettre en branle donc, le processus de la fécondation donc, et de la croissance du bébé. C'est pour ça que les femmes, elles ont souvent une tension dans la poitrine juste avant les règles. En fait, ça vient de la progestérone. Et puis, évidemment, donc, s'il n'y a pas fécondation, le taux de la progestérone chute brutalement et ça entraîne la destruction de ce qu'on appelle la dentelle utérine, qui est donc la membrane qui se trouve à l'intérieur de l'utérus et ce sont les règles. Voilà. Donc, en fait, ça sert à ça, les hormones chez la femme. J'ai mis, alors je ne sais pas si on l'a mis sur le site de podcast, mais un schéma très, très simple qui montre les variations des taux d'estrogène et de progestérone au cours du cycle de 24 heures. Donc. Oui, on le voit même sur le site en ce moment. C'est magique. Super. Alors, les fluctuations hormonales chez la femme, elles influencent la libido, ça c'est sûr, le désir sexuel donc, et probablement l'humeur. Notamment les baisses de morale, l'irritabilité, la nervosité, avant ou au moment des règles. Donc là, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous voyez tous ce qu'on veut dire là par là. Alors, toutes les hormones sexuelles chez l'homme et la femme sont produites à partir du cholestérol. Je trouve ça toujours fascinant, moi, que le cholestérol soit si important. C'est une molécule dont on entend souvent parler dans les bilans sanguins. Et c'est vrai que c'est vraiment une molécule très essentielle. Et c'est intéressant de voir que toutes les hormones sexuelles viennent du cholestérol dans le sang, en fait. Elles sont produites aussi, donc on l'a vu, par les glandes génitales, mais aussi en petite quantité par une glande qui est située sur les reins chez l'homme et la femme. Alors, c'est des petites quantités, mais il y en a quand même suffisamment pour qu'il puisse apparaître de graves problèmes s'il y a des dérégulations. Par exemple, il y a des cas de virilisation très, très connus de petites filles qui peuvent même voir leur clitoris remplacé par un pénis si, au niveau du rein, la régulation n'est pas normale, en fait. Donc, c'est vraiment très sérieux.
Le tout, la production globale des hormones est néanmoins contrôlée par une toute petite structure complexe qui est dans le cerveau. On en a parlé dans un podcast précédent qui est l'hypophyse, donc qui est à la fois une structure nerveuse et une glande qui se trouve donc dans le cerveau. Donc en fait, toute la régulation de la production des hormones sexuelles se fait vraiment au niveau de notre cerveau. Donc, alors, je suis allée un petit peu plus loin parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Par exemple, dans le cerveau, les récepteurs de la sérotonine, qui est une hormone qui est très très importante, qui régule notamment l'humeur, la régulation de ces récepteurs se fait par les estrogènes. Et c'est vraiment intéressant parce que la sérotonine, par exemple, on sait que chez les gens qui sont déprimés, la sérotonine ne peut pas agir. Et ça peut très bien être du fait d'un déficit en estrogènes, par exemple. Et c'est pour ça, par exemple, que les femmes qui entrent en ménopause, qui ont le taux d'estrogène qui diminue, et ben souvent elles sont le baby blues en fait, elles sont déprimées en fait. Ça peut être aussi le cas de la femme qui vient d'accoucher, hein, le taux d'estrogène qui chute brusquement peut entraîner cette déprime en fait. Alors donc ces hormones, et ben évidemment elles sont essentielles, hein, d'un point de vue physiologique, et c'était vraiment logique que tôt ou tard la médecine s'en serve. Et évidemment, l'utilisation la plus connue, c'est bien la pilule, et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors, on va se focaliser sur la contraception hormonale et orale, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet très très vaste, la contraception, et pour l'instant, il y a beaucoup à dire rien que sur ce sujet-là. Voilà, alors on va donc commencer par la contraception orale féminine, c'est quand même celle qui est la plus utilisée, et elle est assez compliquée, et je vais essayer quand même de simplifier tout ça. Alors, vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt pour s'engager dans cette histoire ? Nous sommes accrochés à tes lèvres. Alors, donc la contraception orale féminine, c'est évidemment des comprimés qui se prennent. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais ça se prend quotidiennement la plupart du temps. C'est quand même surprenant qu'il y a encore de nos jours des gens qui savent pas, qui achètent, par exemple, il y a des femmes qui vont dans des pharmacies, qui achètent la pilule et qui avalent leur plaquette en un jour, en fait. Donc, il faut faire quand même attention. Donc, c'est le plus souvent, hein, on va dire, ce sont des comprimés à prise orale quotidienne. On les appelle donc les pilules contraceptives ou plus simplement la pilule. Alors, il existe en gros deux types de pilules contraceptives. Alors, il y a ce qu'on appelle la pilule combinée qui, elle, contient deux types d'hormones. On en a parlé, l'estrogène et la progestérone. Et puis, il y a la pilule progestative qui ne contient que le progestatif. Donc déjà, si on a ce schéma en tête, ça déjà donne une bonne idée de l'ensemble des pilules, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilules sur le marché et c'est difficile de s'y reconnaître. Mais en gros, déjà, on a ça. On a deux grosses branches, les pilules combinées et les pilules progestatives. Juste pour information, il faut quand même savoir que le stérilet, dans l'ensemble du monde, c'est quand même le premier choix de contraceptif au niveau mondial. La France est un peu, je ne peux pas dire une exception, mais elle est un peu différente. C'est vrai qu'en France, on utilise plus la pilule que le stérilet. Mais bon. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est quand même retracer un peu l'historique de la découverte, enfin de la mise au point de la pilule, parce que c'est vraiment passionnant, je trouve. Et alors, honnêtement, je suis pas allée chercher énormément de sources. Et il faut dire qu'il y a sur Wikipédia, c'est vraiment très très intéressant l'article. Il est très très bien fait, mais je vais vous en présenter un résumé ici en fait. Alors, l'idée de la pilule, elle a été lancée aux États-Unis par une infirmière, en fait, par Margaret Sanger et une biologiste, Catherine McCormick. C'était dans les années 50 et elles étaient en contact avec un médecin endocrinologue, donc un médecin qui s'occupe des hormones, qui s'appelle Gregory Pincus. Et en fait, cet homme-là, il avait besoin d'argent en fait pour financer ses travaux, et il a trouvé de l'aide dans ses notamment dans l'infirmière en fait, qui était assez riche. Et c'est parti du fait que Pincus était vraiment convaincu que l'arrêt de l'ovulation pendant la grossesse, vous savez que quand une femme
est enceinte, bah, elle ne peut pas être encore une fois enceinte, en fait. Elle ne peut pas être enceinte deux fois de suite, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme est en train de préparer un bébé, elle ne peut pas en faire un autre, en fait. Hein. Donc, il faut bien un mécanisme pour bloquer ce mécanisme. Et le docteur Pincus était convaincu que c'était à cause de la progestérone, en fait. Et donc, il était sûr qu'en mettant au point une hormone synthétique qui serait semblable à la progestérone, il pourrait, en fait, empêcher la fécondation chez toutes les femmes qui le voudraient. Donc, c'est parti de cette idée. Alors, on est donc dans les années 50, et par contre, il faut savoir que dans ces années-là, et notamment entre la période entre les deux guerres, donc, la recherche sur les utilisations cliniques et commerciales des hormones, elle avait connu un grand développement, notamment, par exemple, l'utilisation des corticoïdes, c'était explosif à ce moment-là. C'est aussi à cette époque que s'est développé l'usage des hormones comme anabolisants, par exemple, dans les élevages américains pour booster, en fait, l'élevage des vaches, etc., des cochons, etc. Donc vraiment, c'était un marché qui était en pleine croissance. Et en ce qui concerne les hormones sexuelles, les recherches, elles étaient toutefois menées exclusivement en vue de résoudre les problèmes d'infertilité ou de dérèglement menstruel. C'était jamais dans une perspective de contraception. D'ailleurs, il y avait ce chercheur, Ludwig Haberland, qui, en 1921, a réussi une première expérience de contraception hormonale en injectant des hormones, en fait. Et il avait bien réussi le coup, ça s'était bien confirmé, mais il a été pris dans un débat, dans une rage et dans une hostilité générale. Ça a été assez violent, en fait. Les gens s'en sont pris à sa famille, y compris, et c'est très triste. Il a fini par se suicider, en fait. Et ses travaux n'ont pas été repris. En fait, c'était assez. Il y avait beaucoup de résistance. Alors, la recherche a continué toutefois parce que quand même dans le but de résoudre les problèmes d'infertilité, ça c'était acceptable à l'époque. Donc la conduite des recherches et le développement des applications, ça c'était en cours. Par contre, à l'époque, c'était dur de trouver l'argent pour continuer parce que à l'époque il fallait extraire les substances, les hormones à partir d'animaux et c'était très très cher en fait. Donc une des voies de recherche c'était aussi de trouver des substances de synthèse en fait. Ça c'était aussi un facteur limitant. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés par la synthèse de ces hormones en fait. Alors en 1939 il y avait un professeur en chimie organique aux États-Unis, Russell Marker, qui a réussi à fabriquer de la progestérone à partir d'une plante, la salsepareille. Alors, la salsepareille, moi, ça me fait toujours penser au schtroumpf, en fait. Mais bon, ça n'a rien à voir. Donc, on a ce professeur qui réussit à fabriquer de la progestérone à partir de plantes et puis à partir aussi d'une autre plante, lignam, qui se trouve en Amérique du Sud, en fait. C'est une racine. Et à partir de là, il a fondé à Mexico sa propre société, Syntex. Donc ça, c'est une étape très, très importante parce que on sait très bien que quand on peut synthétiser des molécules, c'est beaucoup plus facile que d'aller les extraire chez des animaux, en fait. Donc ça, ça a été, encore une fois, une étape très, très importante. Ensuite, à la même époque, vers 1953, il y avait une compagnie qui a aussi demandé un brevet aussi pour pouvoir synthétiser en fait c'est ce genre de d'hormones en fait. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si il y a eu ces brevets de synthèse, ce n'était pas du tout à des fins contraceptives à l'époque. C'était vraiment, encore une fois, pour dans une perspective de soigner l'infertilité, en fait. Il n'était pas question de contraception. Voilà. En revanche, à côté de ça, il y a quand même des gens qui réfléchissaient sur d'autres problèmes, et notamment sur la forte natalité des pays pauvres, qui est toujours des sujets de discussion et de réflexion, et de savoir comment est-ce qu'on pourrait mesurer et contrôler les naissances dans ces pays. À l'époque aussi, aux États-Unis, il y avait quand même aussi ce qu'on appelle le McCarthy, ouais, je vais y arriver. McCarthy,
McCarthyisme. Et c'était une sale époque, en fait, je trouve, parce que ça crée vraiment une atmosphère culturelle et politique très défavorable aux recherches sur la sexualité en général et sur le contrôle des naissances, en fait. Et le tout, donc, créait un cadre législatif qui était très, très contraignant. Il y avait des lois qui condamnaient, par exemple, toute publication au sujet du contrôle des naissances. C'était absolument interdit, en fait. Néanmoins, pendant ce temps, notre docteur Pincus, lui, continue à s'intéresser à la contraception et comment arriver à mettre au point donc, des substances qui puissent être utilisées comme contraceptifs. Et donc, il continue à discuter avec Margaret Sanger. Alors que donc, il y a des considérations de plus en plus importantes sur la surpopulation mondiale. Et à partir de là, Pincus, lui, va commencer à... C'est là qu'on rejoint l'histoire de laboratoire CERL, c'est-à-dire qu'il contacte ces laboratoires pour essayer de se procurer ces hormones dont il a besoin. Et en fait, ces gens-là n'étaient pas du tout convaincus du projet et ils n'ont pas voulu lui donner ni d'argent ni rien du tout. Alors que... enfin, ils n'ont pas voulu lui donner de fonds, encore une fois, dans le but de la contraception, mais ils ont quand même bien voulu lui donner la matière première. Donc, c'était quand même aussi un bon déblocage. Et c'était notre riche héritière et militante féministe Catherine McCormick qui a financé entièrement le projet de Pincus, en fait. Donc, il n'y avait aucun argent venant d'un organisme gouvernemental qui est venu aider le développement, la mise au point de la pilule, en fait. Alors, le docteur Pincus, il a quand même réussi donc à continuer. Il a expérimenté l'effet de ces hormones sur un grand nombre, d'abord sur des animaux, et puis il a finalement mis au point une pilule contraceptive combinée, donc avec un estrogène de synthèse et une progestérone de synthèse. Et finalement, il a réussi à publier son travail. Alors, à partir de là, c'était bien, mais il fallait quand même faire plus d'essais, notamment chez la femme. Et à l'époque, il y avait tellement, encore une fois, de résistance aux États-Unis qu'il a dû aller faire ses essais dans d'autres pays. Donc, il a fait ses études cliniques à Porto Rico ou à Mexico, en fait, à Haïti, pardon, parce que aux États-Unis, il pouvait pas le faire, en fait. Alors là, il y a eu une administration aux États-Unis qui a commencé à mettre des autorisations de mise sur le marché en 57, mais encore une fois, c'était dans le cadre de troubles menstruels et de fausses couches, mais c'était pas du tout dans un but contraceptif. Je vous passe quand même tous les détails. Finalement, c'est seulement en 1960 qu'il y a eu une mise sur le marché pour la contraception. Et ça a été très vite un grand succès commercial. À l'époque, il n'y avait qu'une seule boîte qui fabriquait ces contraceptifs, parce que là, les autres compagnies craignaient vraiment la désapprobation du public et de l'Église catholique, qui vraiment mettait un gros veto là-dessus. Pour l'anecdote aussi, pour les femmes mariées, la pilule n'est devenue définitivement légale que en 65, dans les 50 États des États-Unis, c'est quand même assez tard, c'est fou. Avant 65, si une femme n'était pas mariée, elle ne pouvait pas acheter de pilule, en fait. Quand ça, tu dis 65? Ouais, 65. Waouh, ouais. Dingue. Ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Et pour les femmes non mariées, l'accès à la pilule sera acquis en 1972. Ça paraît vachement, vachement proche, hein. C'est incroyable. Oui, aussi, pour l'anecdote, c'est seulement en 1982 que l'interdiction de publicité pour les contraceptifs a été supprimée aux États-Unis. C'est quand même très récent, donc. Et puis donc, pour finir l'histoire, ça a été le premier pays à commercialiser la pilule après les États-Unis, ça a été l'Australie. Et puis en Europe, c'était l'Allemagne en 61. En France, ce n'est venu qu'en 1967. Et au Japon, ce n'est venu qu'en 1999. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire très résumée de la pilule qui a connu quand même beaucoup de résistance. Hein, mais bon, elle existe. Et maintenant, je vais vous parler de la composition de ces pilules. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y en a beaucoup. Mais on va essayer de classifier et clarifier tout ça. Voilà. Alors,
Je vais citer dans la suite, je vais citer quelques noms de pilules parce que j'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et comme il y a beaucoup de chances qu'elles en prennent, j'espère que ça va les aider à se retrouver en fait. Alors, presque toutes les pilules contiennent des progestatifs et des estrogènes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la classification dépend principalement du progestatif en fait. En fait, non, pardon, je dis une bêtise. En fait, c'est vraiment ça dépend principalement de l'estrogène, en fait. Je reprends. Donc, c'est un peu ce que j'avais dit au départ. Donc, on a les pilules, deux types de pilules. Donc, celles qui contiennent qu'un progestatif et celles qui sont combinées. Donc, qui contiennent un progestatif et un estrogène. Alors, on va parler de ces combinées parce que c'est les plus, on va partir, commencer donc par les combinées, parce que c'est les plus celles qui sont au plus grand nombre et elles sont un peu plus compliquées. Alors, donc les combinées, on l'a dit, il y a deux types d'hormones, un estrogène et un progestatif. À partir de là, dans les combinées, il y a ce qu'on appelle celles qui sont normodosées et c'est celles qui ont le plus d'estrogène. Et c'est celles qui sont les plus utilisées. Par exemple, le Stédiril ou l'Ovanon. Ce sont des pilules qui sont vraiment très, 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 très souvent utilisées. Et puis, on a des pilules qu'on appelle mini-dosées. Donc, je pense que les femmes aussi s'y reconnaîtront ici. C'est-à-dire qu'il y a moins d'estrogènes. Elles ont beaucoup, beaucoup moins d'estrogènes que les autres. C'est donc l'Adépal et le Minidril qui sont vraiment, vraiment beaucoup utilisées. Donc, je reprends. On a les pilules combinées qui ont un estrogène, un progestatif. Et dans ces pilules combinées, on a les normodosées et les mini-dosées. Voilà. Alors, dans ces types de pilules, la plupart du temps, l'estrogène est le même. C'est toujours la même molécule. Par contre, c'est le progestatif qui varie. Et à partir de là, la classification, elle est basée en génération. C'est quelque chose qu'on entend énormément en ce moment, les générations de pilules. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Donc, selon le progestatif qui est utilisé, on va distinguer plusieurs générations de pilules. Par exemple, on a la première génération avec les Triella ou la Minidril, la deuxième génération avec le Stédiril ou la Dépal qui est paru dans les années 70-80, les troisième génération avec la Varnoline ou Faeva, et puis la quatrième génération avec Jasmine. Donc ça, c'est des pilules qui sont... On entend souvent parler de ces problèmes, en fait. J'aime pas dire que c'est des problèmes, mais néanmoins, on entend vraiment parler beaucoup de problèmes avec les pilules de troisième et quatrième génération. Mais donc, il faut savoir que c'est uniquement parce qu'elles ont des progestatifs différents, alors. On pourrait aussi, je vais essayer de pas trop compliquer, mais on peut aussi les sous-classer. C'est pour ça que c'est compliqué les pilules, parce qu'il y a beaucoup de types de classification. Il y a des gens aussi qui les classifient selon leur composition. Par exemple, elles peuvent être ce qu'on appelle monophasiques, c'est-à-dire que tous les comprimés ont la même composition. Des fois, elles sont biphasiques, c'est-à-dire que elles peuvent les comprimés d'une même plaquette, elles peuvent avoir deux types de composition, ou même triphasiques parfois, et même séquentielles quand elles en ont plus. Mais laissons ça de côté, c'est simplement que c'est confus pour les femmes qui entendent, pour les hommes, hein, pour tous ceux qui entendent tous ces mots. Mais finalement, si on regarde un tableau, ça peut clarifier les choses, en fait. Alors, pourquoi il y a autant de pilules et pourquoi c'est si compliqué? Ben, c'est vrai que les pilules, elles ne sont pas toujours très, très bien tolérées. Et puis, on essaie de trouver des molécules qui sont de plus en plus naturelles et qui ont le moins en moins d'effets négatifs, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilules donc, combinées, donc estrogènes et progestatifs, en général, ce sont celles qui sont le mieux tolérées. Elles rendent, les règles sont moins douloureuses, elles sont moins abondantes, elles sont moins longues, les cycles sont plus réguliers, parce que en fait, on reproduit... Ce sont celles qui reproduisent le mieux les hormones naturelles, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que certaines protègent de certains cancers. Et on oublie souvent de le dire, en fait. On parle souvent des effets négatifs de la pilule, mais souvent, elles ont aussi des effets positifs, en fait. Par exemple, encore une fois, elles protègent du cancer de l'ovaire et de l'utérus. Et puis, une question que souvent les femmes se posent, c'est que, est-ce que quand j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, souvent, le plus souvent,
tout est réversible en fait. Et ça, c'est quand même un grand réconfort. C'est que lorsqu'on arrête de prendre la pilule, on retrouve un cycle normal, naturel en fait. Attends, alors donc, Irène, excuse-moi. Ouais. Mm-hmm. Justement, à propos de ça, c'est pas du tout révélateur. Je me suis pas du tout renseignée là-dessus. Mais justement, moi, j'ai l'impression que, au contraire, on arrive à un moment où les femmes ont pris la pilule tellement longtemps qu'une fois qu'elles l'arrêtent, elles mettent quand même vachement de temps à se remettre le cycle d'aplomb. Et justement, alors c'est pour ça que je suis étonnée. En même temps, j'y connais pas grand-chose, donc c'est sûrement toi qui as raison. Mais j'avais plutôt l'impression que c'est réversible, mais pas forcément aussi rapidement que ça. Ben non, en fait, c'est vrai que c'est vraiment très rapide. D'accord, ok. Non, c'est souvent les femmes sont très très surprises, moi y compris d'ailleurs, je dois bien l'admettre. Ça m'a beaucoup surprise d'être tombée enceinte si vite. En fait, je croyais que ça allait prendre des années, etc. Et puis j'avoue ça que ça prend pas. Les hormones se remettent directement. Dans... D'accord. Bah ok. Normalement, dans les cas normaux, hein, chez quelqu'un qui a pas de problème, c'est très rapidement en fait. Oui. Oui, mais quand tu dis si vite, c'est quoi? C'est quelques semaines, quelques mois ou bien... Quelques semaines. Quelques semaines, d'accord. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une femme qui arrête la pilule, le mois d'après, elle peut être enceinte. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est confirmé par plusieurs exemples. Je ne suis pas concernée directement, mais... Oui, quoique, exactement. Quoique, je suis un peu concernée directement. Ah oh. Mais bon, j'en fais partie, hein, franchement, ouais. Okay. Alors, inconvénient. Il y en a, effectivement. Bon, alors, la légère prise de poids. Certaines peuvent donner de l'acné, de la rétention d'eau, une légère perte de cheveux, il paraît. Il faut faire attention parce que il faut les prendre régulièrement. Certaines, les mini-dosées, il faut faire vraiment très attention à les prendre très, très régulièrement parce que le temps de vie dans l'organisme, dans le sang, est limité. Et puis c'est vrai qu'il y a un risque de formation de caillots de sang en fait, dont ce qu'on appelle les accidents cardiovasculaires, donc qui sont liés effectivement avec le risque de formation de caillots dans le sang. Donc ça c'est un risque le pourcentage est pas très très élevé, c'est pas que ça arrive souvent, mais on le prend au sérieux parce que les conséquences sont importantes en fait. Donc c'est pas parce que vous prenez la pilule que vous avez 90% de chances que ça va vous arriver, loin de là. Mais c'est vrai qu'on en parle parce que la conséquence est grave en fait. Et c'est vrai que c'est encore aggravé par contre avec le tabagisme. Donc c'est vrai qu'on déconseille vraiment très très fortement aux femmes qui prennent la pilule de fumer parce que ça augmente les risques d'accidents donc cardiovasculaires. Voilà, donc ça c'était pour les pilules donc combinées, qui sont largement, encore une fois, celles qu'on utilise les plus souvent et qui donc ont à la fois un progestatif et un estrogène. Alors, à côté de toutes ces pilules, on trouve d'autres types de pilules qu'on appelle les mini-pilules. C'est vraiment pas, à mon avis, un bon choix de terminologie, mais c'est comme ça. On les appelle les mini-pilules. Et celles-ci, donc, ne contiennent que le progestatif. Il n'y a pas d'estrogène. Et alors, encore une fois, la terminologie se complique, c'est horrible, parce qu'on peut dire qu'elles sont micro-dosées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exemple le plus courant, c'est la Microval. S'il n'y a qu'une très faible dose de progestative, et sinon on a la pilule normodosée, et donc la plus courante c'est le luténil, et là il y a une dose plus importante de progestative. Donc je récapitule encore une fois, on a à côté de ces pilules combinées, on a les mini-pilules qui ne contiennent qu'un progestatif et pas d'estrogène. Alors l'avantage de ces pilules c'est qu'elles sont beaucoup mieux tolérées, et elle protège aussi de certains cancers, notamment le cancer aussi de l'ovaire, de l'utérus. Pourquoi est-ce qu'on va donner ces pilules à ces femmes? C'est parce que certaines femmes ne tolèrent pas cette dose d'estrogène, en fait. Elles ont des effets secondaires trop importants. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette pilule à base, notamment d'estrogène, pour l'année.
par exemple, pour illustrer ça aussi, il y a beaucoup de stérilets qui sont utilisés, qui n'ont que des progestatifs aussi. Ça marche très bien pour la contraception, en fait. Le cycle, encore une fois, est complètement réversible dès qu'on l'arrête, en fait, hein, ce type de pilule. Donc, c'est aussi intéressant. Inconvénient, alors, c'est les femmes peuvent avoir des petits saignements avec ces pilules, hein, ou une absence de règles. Moi, personnellement, je trouve que c'est un avantage, mais bon, il y a des femmes qui n'aiment pas. Mais c'est vrai que lorsque l'on prend ce type de pilule, on n'a plus de règles, en fait. Certaines aussi peuvent entraîner une légère prise de poids, de l'acné, de la rétention d'eau. Et celles-là, c'est les plus demandes, enfin, comment on dit en français, c'est celles qui vraiment, si celles-là vous l'oubliez, alors là, vraiment, c'est un gros problème parce que elles tolèrent mal un écart de 3 heures, en fait. Donc, il faut vraiment faire très, très important. Alors, ces pilules progestatives, elles ont en fait très peu de contre-indications, hein, mais par contre, elles sont moins efficaces. Elles sont moins efficaces au point de vue contraceptif. Donc, on ne les donne que généralement s'il y a une contre-indication aux estrogènes, en fait. Voilà, et puis en fait, et ben après, il y a quelques cas isolés de pilules qui ont des compositions originales qui ne rentrent pas dans cette classification. C'est par exemple, la plus connue, c'est Diane. J'y reviendrai un peu plus loin, en fait. Mais ce sont vraiment des cas isolés. Alors voilà, au final, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver, mais vraiment, je vous invite, si vous pouvez aller voir un tableau qui doit être sur le site de Podcast, et à partir de là, ça devient vraiment plus facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de choisir laquelle convient, en fait. Une fois qu'on a compris la classification, est-ce que je veux une combinaison estrogène plus progestatif ou seulement progestatif? Dans la combinaison estrogène plus progestatif, est-ce que je veux, quelle dose je veux, etc. Mais bon, en général, le médecin commence par les pilules les mieux tolérées, qui sont les combinées monodosées. Voilà, style Adépal, par exemple. C'est vraiment très, très classique en France. Et puis, selon la réaction des patientes, le médecin changera de pilule au besoin. Il arrive parfois qu'au bout de quelques années, la pilule ne soit plus assez efficace. Donc, on passe à des doses plus importantes, par exemple. Après, il peut y avoir aussi des contraintes médicales, une intolérance aux estrogènes, des choix de pilules en fonction de l'âge, des risques de thrombose, donc des risques de problèmes sanguins ou d'autres effets secondaires, etc. Et puis, il y a les habitudes des médecins. Hein, et puis parfois, il y a un peu les labos qui font un peu pression aussi. Hein. Mais bon, ça, c'est le monde du marketing. Hein. Voilà. Alors, donc, j'espère, je n'ai pas regardé. J'évite de regarder le site de podcast pour ne pas être distraite, mais je pense qu'il y aura le tableau qui montre la composition des différentes pilules, en fait. Et je pense qu'avec ça, il n'y aura plus de problème. Pour se retrouver dans le monde des pilules. Alors, comment ça marche une pilule, le mode d'action? Alors, l'action de la pilule contraceptive, c'est d'empêcher que le cycle menstruel de la femme se développe, en fait. Donc, ces hormones synthétiques, elles sont apportées donc, par la prise de la pilule qui va empêcher l'ovulation, en fait. En fait, il y a trois modes d'action principaux. D'abord, il y a une diminution de la sécrétion des hormones qui sont produites par le cerveau. Si vous avez écouté un de mes podcasts précédents et avez pu en comprendre un tout petit peu, il y a des hormones qui sont produites par l'hypophyse qui vont réguler la sécrétion des hormones chez la femme et chez l'homme. Et donc, les pilules vont aller moduler la sécrétion des hormones qui sont produites par le cerveau, qui vont, elles, aller moduler la production des hormones au niveau des glandes sexuelles. Et il n'y aura pas de ce qu'on appelle la maturation du follicule au niveau de l'ovaire. Donc, l'ovaire ne va pas pouvoir produire les ovules. Donc, le but ici, c'est directement inhiber l'ovulation. Ensuite, il va y avoir une modification de ce qu'on appelle la glaire cervicale. Qui est cette glaire qui permet de plus ou moins de permettre le passage des spermatozoïdes au niveau de l'utérus, en fait. Donc là, il y a les hormones agissent là-dessus aussi.
Et puis, il y a une modification aussi de ce qu'on appelle la membrane de l'utérus qui doit permettre donc à l'œuf qui est fécondé d'aller se nicher en fait dans cette membrane pour se développer. Et donc, les pilules agissent aussi en modifiant cette membrane en fait, et donc empêcher la nidation après la fécondation en fait. Voilà, donc trois modes d'action des contraceptifs. Diminution de la sécrétion des hormones au niveau du cerveau, modification de la glaire cervicale et modification de la membrane de l'utérus. Donc on peut dire que cette pilule, finalement, elle met en veille les ovaires, en fait. D'ailleurs, on utilise aussi la pilule combinée, donc l'estroprogestatif, dans d'autres indications médicales, par exemple les femmes qui ont des kystes sur les ovaires, on va leur donner de la pilule en fait pour que l'ovaire se mette en veille et ne fonctionne plus en fait, et du coup on inhibe la formation des kystes comme ça. Alors je voulais parler aussi un tout petit peu de la pilule Diane, qui est un cas particulier. On en a aussi pas mal entendu parler ces derniers temps dans la presse française, en fait, parce qu'à cause de ses effets secondaires. C'est une pilule qui est très souvent prescrite, et en particulier chez les jeunes filles, parce que pour soigner leur acné. D'ailleurs, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'en prenais en fait de la pilule Diane. Alors pourquoi ? C'est parce que chez les adolescentes et les jeunes adultes, la progestérone que l'on trouve dans le sang se transforme en testostérone en fait. Et dans ces cas-là, en quantité supérieure à la normale. Et ce qui entraîne une surproduction du sébum et l'apparition massive des boutons en fait. J'étais charmante à l'époque. Et donc Diane a une molécule bien particulière, c'est un estrogène et un progestatif, et c'est le progestatif qui est très particulier et qui a une action vraiment très forte anti-testostérone en fait. Donc elle est très très efficace, donc on l'utilise très souvent chez les adolescents qui ont beaucoup d'acné. Par contre, elle a été très très controversée encore une fois récemment, parce que il y a de gros problèmes de risque de formation de caillots dans le sang, encore une fois, des risques, ce qu'on appelle la thrombose, les risques cardiovasculaires très élevés en fait. Donc c'est très discuté, l'utilisation de la pilule Diane ces jours-ci. Alors d'une façon un peu plus générale, quels sont les effets secondaires positifs des pilules ? Parce qu'on a tendance à vraiment se focaliser parfois sur les effets négatifs, mais c'est vrai qu'il y a quand même, encore une fois, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a quand même des effets secondaires positifs. Alors, donc c'est pour ça que ces effets secondaires négatifs, ils devraient être comparés avec les avantages. Il y a eu une grosse étude qui a été publiée en 2010 qui a quand même suivi 28 800 femmes, en fait, donc c'est énorme, qui étaient utilisatrices de contraception pendant 39 ans. Donc c'est énorme. Et ce panel, cet échantillon de femmes a été comparé à un échantillon de 17 306 femmes. Donc c'est énorme. Hein. Je ne mentionne que les chiffres pour montrer que c'était quand même une grosse étude. Et donc on a comparé ces femmes qui prenaient des contraceptifs à un autre échantillon de femmes qui n'en prenaient pas. Et c'est vrai que toutes causes confondues, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait un taux de décès moindre de 12% chez les femmes qui prenaient la pilule quand même. Alors c'est vrai qu'il faut aller voir dans les détails, etc. Mais quand même, c'était intéressant. Apparemment, les femmes qui prennent la pilule, elles ont un taux de décès qui est moindre de 12% quand même. Et puis donc, j'ai aussi dit plus tôt que l'utilisation des contraceptifs oraux diminue le risque de cancer des ovaires, même 30 ans après l'arrêt de la pilule. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. C'est quand même un effet à long terme. Après, ben, il y a encore une fois, d'une façon générale, hein, les effets secondaires négatifs, on en a parlé, là, il y a une modification du comportement sexuel, mais par contre, de façon surprenante, ça peut être ou positif ou négatif, c'est-à-dire que soit nul, en fait, sur la libido féminine, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, en prenant la pilule, ou leur libido reste la même, ou il est augmenté, ou il est diminué. Il n'y a pas de direction bien déterminée. Il peut y avoir un peu de nausée, il peut y avoir des tensions mammaires, mais c'est beaucoup plus rare avec les petits dosages qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et puis souvent, ces petits troubles, ils disparaissent après quelques temps, en fait, après quelques cycles de prise. Parfois, selon les dosages qui ne conviennent pas, il peut y avoir des migraines, donc ça, il faut faire attention.
Le plus souvent, la prise de poids, honnêtement, elle peut être maîtrisée par un, si on fait un peu attention à ce qu'on mange. Et puis, si on fait du sport, généralement, c'est pas très important, en fait. C'est pas un gros effet secondaire. À noter, je sais pas si, enfin, souvent, on recommande aux femmes qui portent des lentilles oculaires de faire attention parce que souvent, il y a une sécheresse oculaire qui se développe et ça peut être un peu créer des intolérances en fait. Donc ça, on fait toujours attention aux femmes qui portent des lentilles aussi quand on leur prescrit la pilule. Donc ensuite, il y a quand même quelques effets secondaires graves en général. Il faut le savoir. Donc les contraceptifs oraux combinés, hein, donc œstrogène plus progestatif, augmentent légèrement le risque du cancer du sein pour une utilisation à court terme. Et il faut savoir qu'après 10 ans, quand on a arrêté, après 10 ans, par contre, il y a un retour à la normale. Il y a aussi un risque de plus important de col de l'utérus et du foie. Et là, par contre, plus l'incidence augmente, c'est-à-dire que plus on prend la pilule sur une longue durée, plus les risques de cancer utérin et du foie augmentent. Donc ça, c'est vrai, c'est un risque qui existe. Donc on l'a vu aussi, il y a un risque de thrombose veineuse, hein, de formation de caillots dans le sang. Par contre, je disais, ce risque est très faible en pourcentage, mais c'est vrai que c'est un risque qui est grave. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas le négliger. Et c'est vrai que quelquefois, il y a aussi un taux de cholestérol qui peut augmenter, mais pas tellement en fait. Et voilà, donc par contre, je le disais aussi, je rappelle, les pilules progestatives, elles ont un risque, elles entraînent un risque cardiovasculaire qui est un peu moindre que les pilules combinées, en fait. Donc c'est aussi intéressant de savoir pourquoi votre médecin va vous donner une pilule progestative ou combinée. En fait, ça peut être une bonne raison. Je voulais aussi finir cet exposé sur les pilules en vraiment demandant aux femmes, vraiment, ne jetez pas vos pilules dans les toilettes ou dans votre évier quand elles sont périmées ou quand vous n'avez plus besoin. C'est vraiment un gros problème dans l'environnement en ce moment. Les pilules qu'on retrouve dans l'eau de boisson, etc., c'est ce qu'on appelle, elles font partie, vous en avez peut-être entendu parler, de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce sont donc des composés chimiques qui sont susceptibles de perturber gravement la différenciation sexuelle chez les animaux, hein, notamment chez les poissons. Et c'est vrai que c'est vraiment un gros problème qui devient de plus en plus documenté. Alors, il y a deux raisons. Il y a le fait que souvent, quand on n'a plus de raison d'utiliser une boîte de médicaments, il y a beaucoup de gens qui les mettent dans les toilettes, en fait. Et puis, il faut bien admettre que souvent, les hormones qui sont dans... que les femmes prennent, elles sont rejetées par l'organisme féminin quand on va uriner. Et ça se retrouve dans l'eau aussi, donc c'est vraiment un gros problème. Alors ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais vraiment, vraiment, j'insiste sur le fait que ne jetez pas vos médicaments périmés dans les toilettes ou dans vos éviers. Voilà. Voilà, mais j'espère que ça a aidé un peu à clarifier un peu le monde des pilules, hein, qui peut paraître a priori un peu compliqué. Et à partir de là... Eh ben, c'était difficile quand même de ne pas penser aux hommes. On a parlé des femmes pendant tout ce temps-là. Et donc, je voulais un peu discuter de la pilule pour les hommes. Voilà, tout le monde me suit ? Mais oui, mon Dieu. Avec un peu d'appréhension à partir de là. mais non. Voilà, alors, le but chez les hommes, donc, c'est de supprimer la production, messieurs, de vos spermatozoïdes. Voilà, pour mettre les choses à plat et très nettes. Ah, c'est bien ce que je craignais. Oui. Non, mais on va faire ça doucement. Ah. En fait, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'un homme, en moyenne, émet environ des millions de spermatozoïdes par éjaculation, alors qu'une femme ne produit qu'un seul ovule par mois. Donc, c'est quand même plus facile d'arrêter un plutôt que des millions. Et voilà, donc en fait, le plus gros problème de la pilule pour l'homme, il est bien là. Alors,
Évidemment, les gens ont pensé à utiliser les hormones hein, pour diminuer cette production, mais diminuer le taux de testostérone chez l'homme, qui est donc, on l'a vu, lié à la production de spermatozoïdes, bah, c'est détruire sa libido. Hein. Et ça, même si les hommes, ils sont de plus papa poule, ils aiment bien leurs enfants, je pense qu'en général, ils sont pas prêts à sacrifier le sexe pour éviter les gamins. Là, je crois que c'est assez clair. Donc, on peut pas passer par là. C'est une solution radicale, c'est l'abstinence, comme certains le. Ah ben, voilà, ça vous cassez votre libido. Forcément. Mais bon, dans ce cas-là, autant pas prendre de pilule, quoi. Voilà, exactement. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de freins sociaux et culturels. C'est vrai que et il faut admettre aussi, il faut bien reconnaître que souvent, il y a aussi une réticence de la part des femmes hein, qui veulent contrôler elles-mêmes leur grossesse. Finalement, et qui préfèrent, elles, contrôler, être dans une position de dire je vais être enceinte ou non, plutôt que de laisser le choix à leur partenaire. Ceci étant dit, quand même, la majorité des hommes se disent quand même favorables à la pilule masculine. Je vois dans la chatroom, il y a quelqu'un qui parle de vasectomie. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais je voulais parler uniquement de pilules hormonales, hein, donc parce que sinon il y a d'autres moyens effectivement. Hein, mais la vasectomie, c'est une très bonne solution. Mais là, je voulais parler vraiment de la pilule pour hommes. Alors ici, donc il y a eu quand même plusieurs pistes explorées. Il y en a eu pas mal. Il y a eu, par exemple, il y a aussi des gens qui ont essayé d'aller freiner tout le processus en ayant une action au niveau cérébral, mais là il y a eu trop d'effets secondaires. Une autre voie, ce serait de stopper la production au niveau des testicules en utilisant directement une association progestative plus dérivée de la testostérone. Et d'ailleurs, il y a une compagnie pharmaceutique aux Pays-Bas qui avait annoncé sa pilule pour hommes qui devait être commercialisée en 2005. Et apparemment, dans leurs essais cliniques, elle était efficace à 100%. Mais en fait, elle n'a jamais été finalement commercialisée. Je pense qu'il y a eu trop d'effets secondaires, en fait. Par contre, il y a un certain médecin français qui s'appelle le docteur Soufir, qui est à l'hôpital Cochin, qui propose une association progestative orale plus gel cutané à base de testostérone. Et apparemment, ça marche. Il a commencé en 79 et donc il le prescrit à ses patients. Hein, et il y a depuis des variantes qui sont apparues un peu partout dans le monde. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez téléphoner au docteur Soufir, donc à l'hôpital Cochin. C'est pas une indication officielle. Il y a pas de législation et on attend encore des essais cliniques réglementaires. Mais c'est utilisé en fait. Il existe aussi, ça me surprend un petit peu, mais bon, ça existe, c'est un autre produit qui est disponible en pharmacie, qui est un dérivé de la testostérone lui aussi. Donc ça s'appelle l'énantate de testostérone et qui nécessite là des injections intramusculaires hebdomadaires et avec un autre dérivé aussi, je passe sur les détails, et qu'on trouve en pharmacie en fait. Vous pouvez ou bien faire des injections hebdomadaires ou faire des injections tous les 45 jours et pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de régulation, mais ça existe et le docteur Soufir peut vous aider dans vos recherches ici, en fait. Donc, il continue, lui, de son côté, il continue ses recherches, il publie régulièrement, il publie énormément et vous pouvez le trouver facilement sur Internet, en fait. Il y avait un article que j'ai trouvé dans la revue PNAS qui relate l'utilisation par des chercheurs d'Australie de protéines, des protéines qui bloqueraient les nerfs qui interviennent dans l'expulsion des spermatozoïdes. Donc là, c'est vraiment mécanique. Donc, ils utilisent des protéines et ces protéines, elles vont bloquer les nerfs qui ont un rôle dans l'expulsion, en fait. Donc, l'avantage ici, c'est que on ne bloque pas les hormones, c'est pas, il n'y a pas d'action hormonale. Et apparemment, ils n'ont pas trouvé d'effet secondaire pour le moment. Et donc, c'est à suivre, c'est quand même intéressant. Pour l'instant, il y a eu des essais chez la souris, mais ça fait beaucoup de bruit. On en entend beaucoup parler sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de discussions sur ce papier, en fait.
Il y a aussi des médicaments qui sont connus pour arrêter la production de spermatozoïdes. Il y a une molécule qui s'appelle la thioridazine et qui est un médicament qui est utilisé pour la schizophrénie. Donc, c'est une molécule qui est commercialisée, hein, mais dans l'indication médicale de la schizophrénie. Et c'est ce qu'on appelle en anglais la clean sheet pill. Et en fait, c'est que... C'est-à-dire que il y a orgasme chez l'homme, mais il n'y a pas de production de spermatozoïdes en fait. Donc il n'y a pas d'éjaculation finalement. C'est pour ça qu'on l'appelle la clean sheet pill en fait. Les draps restent propres. Et donc elle est connue, mais par contre apparemment les gens qui travaillent sur cette recherche n'arrivent pas à trouver les fonds nécessaires pour continuer en fait. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une recherche sur internet. C'est le docteur Amobi, A-M-O-B-I, qui est à Londres et qui travaille là-dessus et qui s'intéresse à cette molécule. Alors apparemment il y a quand même des réticences, apparemment selon lui 50% des hommes ne peuvent pas envisager un orgasme sans éjaculation, apparemment ils ont l'impression de perdre leur masculinité, voilà. J'ai trouvé aussi une autre solution prometteuse qui s'appelle le Vasalgel. Donc ça, ça fait un peu peur a priori, mais bon, c'est un gel qui est injecté dans le canal déférent. Et ça semble marcher à 100%. Donc, c'est comme une vasectomie réversible, en fait. C'est mécanique. C'est-à-dire que les spermatozoïdes sont cassés quand ils passent à travers ce polymère. Donc là, c'est vrai par contre, je m'éloigne un peu de la contraception hormonale, mais je trouvais que c'était intéressant quand même. C'est donc une sorte de vasectomie réversible où on injecte ce polymère et les spermatozoïdes se trouvent abîmés quand ils doivent le traverser, en fait. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, pour moi, c'est que c'est un gel qui est utilisé depuis 1989 en Inde, en fait. Et pareil, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet, c'est le docteur Sujoy Guha, et ça s'écrit G-U-H-A. Apparemment, il est très connu, et en ce moment, les États-Unis essaient de commercialiser le produit, en fait. Voilà, donc j'imagine que c'est une injection qui se fait sous anesthésie locale et en une seule fois, en fait. Au point de vue contraception médicamentale, ouais, je dirais, ou douteuse, je ne sais plus, il y a une autre plante, merci, qui est intéressante, c'est le Gandarusa. Donc ça, c'est une plante que les Indonésiens mâchent. Je pense que c'est une racine et qui aurait apparemment la propriété d'éviter les grossesses chez les partenaires. Et apparemment, c'est la tribu des Papuas qui a commencé à l'utiliser. Et le mécanisme, il est assez connu, en fait. C'est une plante qui contient une molécule qui interférerait avec une enzyme, en fait, qui est nécessaire dans la fabrication du sperme, en fait. Il y a eu des essais qui ont été très, très prometteurs, qui sont en cours, et les autorités en Indonésie la prennent vraiment très, très au sérieux, ben, notamment parce que les taux de natalité sont élevés là-bas, et il y a en fait des essais cliniques qui sont en cours, en fait. Donc là aussi, vous pouvez le trouver sur Internet, si vous êtes intéressé, en fait. Voilà, donc pour la pilule masculine, donc pour l'instant, quand même, c'est pas évidemment très utilisé, il n'y a pas de produit commercial évident, mais il y a des pistes, hein, et ben, si vous êtes intéressé, ben, gardez un œil dessus, je pense que ça va arriver un jour. Je ne suis pas forcément convaincue qu'un jour ça remplace la pilule féminine, mais c'est vrai que parfois, si votre partenaire supporte pas la pilule féminine, moi ça quand même peut être quand même très 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 intéressant. Et voilà, donc je vais finir mon dossier là-dessus. Bah, formidable, Irène. Merci. On a appris une quantité juste hallucinante de choses. C'est complètement dingue. Ça a inspiré pas mal de questions dans la chatroom. Ouais, mais d'abord, bah tiens, on va te laisser souffler, boire un verre d'eau. Je veux juste signaler qu'on a eu quelques dessins aussi, super inspirés. Un dessin de Pouillot d'abord, c'était pendant que tu parlais de testostérone au tout début du dossier. Donc on voit sur le dessin de Pouillot un coq très baraqué avec une toute petite tête.
sous le titre « La testostérone du muscle et du plaisir ». Le coq dit « Certains disent que je n'ai pas d'esprit. C'est faux, j'ai l'esprit de compétition. » Excellent. Bravo. On a notre ami Xil, David, qui s'est recyclé en dessinateur d'un soir. On voit dans son premier dessin la prise de pouvoir du podcast par les femmes de l'équipe. Ah, j'adore. Moi aussi. Ça a carrément mis en cage quand même, ce que je trouve assez désagréable. Mais il faut ce qu'il faut pour sortir du règne des matheux. Yeah. On a un autre dessin de Pouillot qui s'intitule Agir sur les hormones avec la salse pareille. Forcément, il pouvait pas laisser passer ça. Donc on voit un schtroumpf tout romantique offrir une fleur à une schtroumpfette toute gênée. Il lui dit « Schtroumpfette, ça va ? Vous avez changé. » C'est adorable, moi j'adore. Et puis finalement, l'augmentation de l'espérance de vie via la pilule pour homme a inspiré un nouveau dessin à David, notre Xil national. On voit une femme qui demande « Mais pourquoi tu prends la pilule ?» Et l'homme lui répond « Je cherche la vie éternelle. » Oh, c'est génial. C'est du David tout craché. Excellent. Super. Voilà, et sinon, quelques questions. En fait, moi, j'avais une petite réflexion en cours de route. Ce n'était pas vraiment une question, mais je trouve quand même assez fascinant que parmi les milliers de pilules qui existent, tout le monde sache tout de suite de laquelle on parle quand on dit juste la pilule. Ouais. C'est que, et oui. Bon, je pense que c'est parce qu'elle elle a changé le monde, finalement. Je pense qu'effectivement, il y a eu un impact énorme. Et comme c'est compliqué et long à dire la pilule contraceptive, c'est comme le frigidaire, c'est comme ces choses qu'on utilise tout le temps et qui finalement, c'est plus facile. C'est devenu le générique, en fait. C'est fou. Hein. Ouais, mais alors qu'il y a, tu vois, il y a des pilules pour le cœur, il y a des pilules pour plein de trucs, quoi. Il y a même des piluliers, tellement on prend de pilules, surtout en vieillissant. Et pourtant, la pilule, c'est celle-là. Ça n'a pas fini de me fasciner. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. On avait une question de Barberousse qui demandait si la pilule est entièrement absorbée par l'organisme ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de rejet dans les urines ? Alors, je connais pas les pourcentages exacts, mais ce qui se passe, c'est qu'elle est bien, bien absorbée. Elle passe, la plupart des composés passent dans le sang. Et ils sont transformés dans l'organisme et ce qui n'est pas directement utilisé, ça passe dans les urines. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de rejet, en fait. Oui. Ouais. Alors je connais pas les pourcentages exacts. Hein. Mais la plupart, la plupart des composés de la pilule sont absorbés dans le sang, ouais, de toute façon. On a une question aussi de Monsieur Noz. La pilule modifie-t-elle la libido ? Ça fait partie des vieilles légendes urbaines que j'ai pu entendre gamin, mais c'est quoi la vérité ? C'est difficile à dire, en fait. J'en ai parlé un tout petit peu pendant le dossier. C'est pas très clair. Il y a des femmes qui vont dire que ça leur augmente la libido. Il y a des femmes qui disent que ça la diminue. Il y a des femmes qui disent que ça change pas. Ça fait partie un peu des... C'est pas évident. Apparemment, ça modifie, mais c'est difficile de dire dans quelle direction, en fait. Et c'est difficile de prédire. Voilà, donc c'est pas un effet net et bien... C'est sûr que ça va pas être évident de déterminer si c'est la pilule qui influe ou... Ouais, exactement. Ouais, et puis même en dehors de ça, c'est difficile à quantifier quand même, si je peux me permettre. Et oui. Après, il y a des moyens de quantifier même la libido chez une femme avec les mesures de flux sanguin, etc., au niveau de l'utérus, etc. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est quand même pas très documenté pour l'instant. Ouais. C'est pas clair. Ok, on a une question de Pascal, notre ami Pascal B, auteur du blog Le Monde et Nous sur le Café des Sciences et puis lead auteur, j'ai envie de dire, de Qui dit Science. Elle demandait, et Cérazette ? J'ai pas compris la question, mais je pense que à toi ça va te parler, Irène ? Cérazette, c'est le nom d'une pilule. Et elle a bien précisé juste après, pas de règles avec ces arêtes. Donc, gros avantage. Mm-hmm. Mais ça, tu en as effectivement parlé dans le dossier. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes à qui ça fait peur, que ça angoisse. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui trouvent que c'est très, très bien. Voilà, donc j'imagine... Alors moi, je ne connais pas ce nom-là. C'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai quitté la France. Donc, je ne suis plus tellement au courant de toutes les spécialités pharmaceutiques. Mais apparemment, j'imagine... Donc, effectivement, c'est une pilule qui ne contient qu'un progestatif. S'il n'y a plus de règles, c'est à cause de ça.
Et puis, effectivement, bah, y a beaucoup de femmes qui trouvent que c'est un avantage. Hein. Moi, honnêtement... J'avoue, oui, c'est un avantage. Voilà, moi aussi. Exactement. Moi, j'adorais ne plus avoir de règles, hein, effectivement, et je trouve que c'est vachement bien, en fait. Donc, voilà. C'est tout ce que... À partir de là, c'est vrai que je ne la connais pas particulièrement, celle-là, malheureusement. Alors, Pascal nous précise à l'instant dans la chatroom, plus ou moins égal à Microval, si ça te parle plus. Donc oui, donc c'est ça, c'est une progestative et elle est micro-dosée, c'est-à-dire qu'elle contient un progestatif en petite dose, mais c'est une progestative micro-dosée, en fait, effectivement, super. Ouais, moi, et effectivement, c'est que j'adore le fait qu'il n'y ait plus de règles, hein, je trouve ça super. Et donc, elle a peu d'effets secondaires et c'est... Donc, elle convient à beaucoup de femmes, c'est super, ouais. Ouais, Pascal nous dit trop cool, oui. Donc je pense que ça fait un troisième avis favorable. Ouais, ouais. Oui, et puis c'est vrai qu'effectivement, là, je vois, elle dit allaitement aussi. Donc c'est vrai que c'est bien parce qu'il n'y a plus d'estrogène et elle est utilisée aussi pour les femmes qui allaitent. Donc c'est aussi un avantage, ouais. Il y avait une question de Barberousse aussi qui demandait si c'était une autre légende urbaine qui traîne sur la pilule. La pilule modifie-t-elle la perception du partenaire ? À savoir que la femme qui prend la pilule ne serait pas attirée par un partenaire complémentaire au niveau génétique. Il précise après, alors sûrement un tox. Hein. Alors là, j'en ai jamais entendu parler, effectivement. Écoute, honnêtement, je ne sais pas. J'ai jamais entendu dire ça. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles études en psycho qui se font sur la perception, effectivement, chez la femme qui prend la pilule. Mais ouais, je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas dire. Désolée. Hein. Moi, j'ai une question de moi-même. En fait, quand tu expliques les différents moyens d'action, donc tu dis ça agit sur trois plans, je ne me rappelle plus exactement ce que mm-hmm. tu avais dit, mais ça bloque l'ovulation, etc. Ouais. Et en fait, donc, tu nous as dit, je crois, 3 heures pour les pilules mini dosées. Si tu l'oublies de plus de 3 heures, tu as, j'imagine, un risque de tomber enceinte. Oui, mais alors c'est pas pour toutes, hein. C'est vrai, c'est les progestatifs micro-dosés, certaines, elles sont tellement mini-dosées, la dose est tellement petite, que au bout de, mettons, 24 heures, il n'y en a plus suffisamment dans le système sanguin pour être efficace, la dose est trop petite. Mais, et du coup, ça fait, en fait, ça redéclenche ça déclenche une ovulation immédiatement ou tu repars sur un cycle ou ça marche comment? Ben en tout cas, ça ne protège plus de la fécondation. C'est surtout ça en fait. D'accord. Alors après, ça ne veut pas dire que tout de suite tes ovaires vont refabriquer un ovule. Le cycle, il est encore là, mais en tout cas, enfin, ou le cycle, il ne va pas forcément. Ça ne veut pas dire que après 12 heures, les ovaires vont fabriquer un ovule. Mais en revanche, le niveau de protection est quasi inefficace. Donc, s'il se trouve qu'à ce moment-là, tes ovaires ont fabriqué un ovule, la pilule ne sera pas efficace. Il y a un gros risque de grossesse, en fait. Voilà. Mais je répète, ce ne sont pas toutes les pilules. Hein, ce sont les progestatives micro-dosées. Voilà. Ok. Alors, on a une question de Pascal qui nous demande si le fonctionnement du stérilet hormonal est le même que celui de la pilule. Alors, il y a plusieurs types de stérilets. Il y en a qui sont hormonaux et d'autres qui ne sont pas hormonaux. Donc, les stérilets qui contiennent des hormones, que je sache, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est vrai, ne contiennent que des progestatifs. Et donc, à partir de là, le mode de fonctionnement est le même qu'une pilule progestative. C'est-à-dire que ça libère de la progestérone dans l'organisme de la femme. Et donc, c'est très équivalent, oui. Après, il y a encore une fois des stérilets qui ne sont pas à base d'hormones. Il y en a qui sont, par exemple, à base de cuivre. Et on ne sait pas du tout comment ça agit, en revanche. Mais ça marche très bien. Mais sinon, c'est oui. C'est dingue. Oui, c'est fou. Ouais, ouais. Ceux qui sont à base de cuivre, on ne sait pas pourquoi le cuivre, on ne sait pas très bien le mode d'action, mais ça marche bien. Mais sinon, oui, d'ailleurs, les progestatifs, en ce moment, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais aux États-Unis, les femmes qui sont en ménopause et qui ont besoin d'avoir des hormones de remplacement, on leur propose très souvent un stérilet à base de progestatifs, combiné avec un patch d'estrogène, par exemple.
Donc oui, le mode d'action est le même. Ok. Et donc il y avait Barberousse qui demandait, alors il a, je ne sais plus s'il a raté le début, si tu l'as dit, le taux d'efficacité de la pilule. Alors là, j'ai pas voulu mettre des chiffres, mais c'est très important. Alors, c'est à 99% en gros, hein, l'efficacité de la pilule. Et en fait, le plus gros risque, finalement, quand on donne des chiffres, ça vient du fait que les femmes, malheureusement, l'oublient, en fait. C'est-à-dire qu'une femme qui prend la pilule très régulièrement, selon la prescription, elle a vraiment très, très peu de chances de tomber enceinte. Par contre, messieurs, ne blâmez pas les femmes parce qu'elles sont tombées enceintes sous pilule. Hein. C'est facile de l'oublier, c'est facile de ne pas la prendre au même moment, etc. Hein. Mais c'est vrai que si on la prend très régulièrement, le risque est vraiment très petit de tomber enceinte. Hein. Je me souviens plus hein, des chiffres exacts, c'est facile à trouver hein, sur Internet, mais c'est de l'ordre du 99 quelque chose de pourcentage d'efficacité. Hein. Mais il n'y a c'est pas longtemps, efficace. Je crois qu'ils ont sorti un comparatif, tu sais, avec les anneaux, le stérilet, oui. La pilule, etc. Mm-hmm, et donc, ils donnent le taux théorique et le taux réel. Oui. Donc, le taux théorique, je crois que c'est 99% et le taux réel, c'est 95% ou 96%. Mais ils disent que, justement, c'est dû en fait, au fait qu'elle n'est pas utilisée dans les conditions pour laquelle elle est faite. Oui, exactement. Ouais, le plus gros risque, c'est l'oubli. Ouais. Il n'y a pas une variabilité avec l'âge? Parce qu'il y a une variabilité de la fécondité quand même avec l'âge. Alors oui, c'est ça en fait. L'efficacité de la pilule, en théorie, elle est pratiquement la même chez toutes les femmes tant qu'elles n'ont pas de ménopause. Par contre, c'est vrai que la fertilité de la femme diminue avec l'âge. Donc, est-ce que ça veut dire que la pilule est plus efficace? Non, en fait, c'est surtout le reste de la physiologie chez la femme qui change au cours du temps. C'est surtout ça en fait. On avait une autre question de Pascal, Pascal Le, qui demande les interactions avec d'autres médicaments ou aliments. On a peu d'infos là-dessus. Alors, il y en a très peu, en fait. C'est vraiment... c'est très peu... C'est très efficace. Alors, je me souviens plus... Exactement, mais il y a très peu d'interactions médicamenteuses en fait. Alors il faut faire attention s'il y a d'autres indications, par exemple si quelqu'un prend des hormones pour d'autres indications, hein, évidemment il faut faire attention. Mais dans l'ensemble, il y a très peu d'interactions médicamenteuses en fait. C'est pas un souci majeur en fait. J'essaie de me souvenir exactement, mais je crois pas qu'il y ait de... Il n'y a pas de souci, si tu n'as pas la réponse maintenant, non, on peut aussi revenir dessus une autre fois. Encore une fois, il y a tous la classe des anticancéreux qui font partie des... Quand on donne des hormones pour traiter un cancer, par exemple, où il faut faire attention. Après, il faut faire attention s'il y a des médicaments qui vont faire vomir ou des choses comme ça, parce que du coup, la pilule est moins efficace. Je crois qu'il y avait un médicament où l'efficacité est moindre, mais en général, c'est pas trop un problème, non. Robin ? Dès que j'étais occupé à te répondre au lieu de changer de page et de me démuter. On a une question d'Antoine qui demande si la pilule retarde la ménopause. Non, je crois pas. J'en ai jamais entendu parler et franchement, je pense pas. Non, l'âge de la ménopause est toujours le même, entre 49 et 51 ans, hein, avec ou sans pilule, non. Non. Par contre, ben, puisqu'on parle de ménopause, la grande question des femmes actuellement, c'est est-ce que je continue de prendre la pilule après ma ménopause? Parce que les femmes qui sont en ménopause donc ne produisent plus notamment d'estrogène et pratiquement plus de progestérone. Et il y a quand même des effets secondaires. Et du coup, la question est est-ce qu'on donne des hormones de remplacement? Sachant que ben, la pilule, c'est une hormone, c'est une combinée d'hormones qui joue le rôle d'hormone
hormones de remplacement. Alors, il y a les théories ont évolué beaucoup, et notamment ces derniers temps, parce que il y a quelques années, quand on donnait des hormones aux femmes en ménopause, c'est d'abord des hormones de synthèse, donc il y a eu des problèmes avec ça. Ensuite, on ne leur a donné que des estrogènes, et ça a augmenté le risque de cancer, hein, parce qu'il y avait plus assez de progestérone dans le corps. Et puis maintenant, on est venu à un point où on donne aux femmes en ménopause des hormones de remplacement qui sont identiques aux hormones naturelles, et on combine progestérone et estrogène, et on s'est aperçu que du coup le risque de cancer n'est pas plus élevé en fait. Donc si en tout cas elle ne recule pas la ménopause, souvent elle est en tout cas bien indiquée en cas de ménopause en fait. Voilà. Juste, je vais repréciser, parce que je pensais un peu à ça, et Antoine a précisé sa question dans la chatroom en direct. Il parlait de, parce que le principe de la pilule, enfin de certaines pilules en tout cas, oui non, de toutes les pilules, c'est de bloquer le mûrissement des ovules. Donc je pense que son idée c'était de dire du coup il en reste plus quoi, mais plus longtemps. Mais en fait non quoi. Non, en fait, non. Donc, les ovules non mûris, ben, disparaissent. Tant pis. Elles sont d'accord. Ouais, okay. Oui, exactement. Ouais. Et oui, on en a un stock. On en a un stock. Si on ne les utilise pas, ils sont perdus. Ouais. Alors, il y a Monsieur Noz qui nous dit « Pourquoi la pilule ? Si on replace ça dans un contexte historique, véritable révolution de l'émancipation féminine ou arnaque pharmaceutique ?» Attends. Véritable émancipation féminine et quoi ? Ou arnaque pharmaceutique. Ah ! Ou arnaque pharmaceutique. Non, c'est quand même, c'est une grosse révolution pour la femme de pouvoir décider quand elle veut être enceinte ou non. C'est énorme. Hein. Je pense que ça joue un gros rôle dans la. J'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que je suis quand même très féministe dans la libération de la femme. Après, arnaque pharmaceutique, je pense que c'est un autre sujet. Après, le problème des labos pharmaceutiques, c'est une autre discussion, je pense. Néanmoins, je pense que c'était une grosse révolution pour la femme, la pilule. Non, oui. Je pense que les deux débats sont quand même différents, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que là, quand même, on a beaucoup entendu... avec les incidents qu'il y a eu ces derniers mois, dernières années, ouais. Le fait qu'il y a peut-être d'autres moyens de contraception qui ne sont jamais évoqués. Déjà, quand tu vas chez le gynéco, tu prends la pilule et puis, puis c'est tout. Après, finalement, ils disent bah, l'anneau, c'est pareil, c'est des hormones, donc les risques sont les mêmes. Tu te retrouves confronté au même problème, mais finalement, de base, on ne te propose que la pilule. Ça, c'est assez culturel, hein. C'est assez lié à des pays aussi. Parce que, en France, bien sûr. Ouais. En France, ouais. Parce que le coup du stérilet, par exemple, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, il y a un blocage en France qui n'existe pas dans d'autres pays sur le stérilet, par exemple. Le stérilet a au moins un avantage, c'est que tu risques pas de l'oublier, quoi. Et c'est un gros avantage. Non, c'est vrai. Hein. Alors moi, je ne sais pas exactement. Je crois que ça a un peu changé en France, mais moi, je me souviens quand j'y étais, le stérilet, il était contre-indiqué chez la jeune fille, par exemple. On ne donnait pas de stérilet aux femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. C'est toujours le cas, je crois. C'est toujours le cas. Alors qu'aux États-Unis, pas du tout. C'est pas du tout un problème. Donc le stérilet est beaucoup plus utilisé ici, effectivement, que la pilule, par exemple. Quand tu dis ici, on précise pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant que c'est aux États-Unis. Oui, pardon. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Robin. C'est vraiment... Il y a un contexte culturel très important aussi. Il y a certainement, je pense, une pression des labos pharmaceutiques. Hein. Faut pas se leurrer, hein, certainement. Donc, c'est tout un ensemble, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de contraception, mais je pense que la pilule, c'est quand même un des moyens les plus efficaces avec le stérilet. Hein. Et après, stérilet ou pilule, il y a des femmes qui supportent pas l'idée d'avoir cet objet dans leur corps, en fait. Donc, il y a aussi un choix personnel. Il y a des femmes qui ont très peur de prendre des hormones. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, hein, effectivement. Je trouve que ce serait important, d'une façon générale, qu'il y ait un peu plus d'éducation et que les femmes fassent un choix en fonction...
des risques, hein, et que ce soit pas seulement leur médecin qui leur prescrive une pilule, parce que il me semble que bien souvent c'est souvent le médecin a quelques pilules, j'allais dire en réserve, et va la prescrire, et puis voilà quoi. Le cas typique, c'est la jeune fille qui vient, je sais pas moi, la jeune fille de 18 ans qui vient, qui veut prendre la pilule pour la première fois. On va lui donner Adépal, quoi. C'est tellement classique. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a quand même quelques risques liés à la pilule, et ça serait bien que les femmes qui participent un peu plus activement au choix. Après, c'est compliqué, hein. Il y en a tellement, et il faudrait que leur expliquer effectivement les différents types de pilules. Et comme vous avez pu l'entendre il y a quelques minutes, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas très très simple. Donc, est-ce qu'il faut tout expliquer avec le risque de faire peur, ou prendre un choix sans prendre en compte le choix de la patiente? C'est pas très très simple, effectivement. Ok, moi je veux juste faire mon féministe de service, encore un peu plus féministe que toi. Je dirais même que c'est une révolution pour les femmes, pas ouais. Une révolution pour la femme. Les femmes en tant qu'individu, quoi. Le concept de la femme en tant qu'espèce, ou je sais pas très bien quoi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Johan, je crois que tu avais quelque chose à nous relayer aussi. Je crois qu'on a perdu Johan, du coup. Non, pardon, c'est bon. Ok. Mute. Barberousse a précisé sa question sur la perception du partenaire, donc il a envoyé un lien vers un article scientifique. Donc j'ai pas accès à l'article, enfin, même si j'avais accès à l'article, je suis pas sûr que j'aurais lu, mais l'abstract. Puisque l'on sait que les variations d'hormones ont une influence sur le choix du partenaire, alors du coup, la pilule, on aurait aussi. Mais ils disent aussi, donc, dès le résumé, qu'ils ne savent pas si ces effets qui ont été mesurés en laboratoire ont vraiment un effet dans le monde réel. Mais c'est quelque chose qui est étudié. Alors, en fait, c'est les variations des taux d'hormones qui veulent dire, dont ils parlent, c'est ça? Oui, sans doute. Yes, hormonal variation over the menstrual cycle alters women's preference for phenotypic indicators of men's genetics. Donc vraiment les variations d'hormones dans le cycle menstruel. Ouais, il faudrait que je le lise, parce que c'est vrai que de toute façon, bon, les taux d'hormones varient au cours du cycle, ça c'est sûr. Par contre, c'est les mêmes hormones pour tout le monde, quoi. Donc finalement, je vois pas comment ça. Du coup, je vois pas très bien le lien avec une préférence phénotypique, en fait, parce qu'on a toutes les mêmes hormones, nous, donc. Enfin, je regarde. D'accord, le lien est dans la chatroom. D'accord. Et sinon, moi, j'avais une question de moi. C'est est-ce qu'il y a des pilules qu'on peut prendre avec la cigarette? Parce que j'avais fait la remarque à une fille une fois qui m'avait dit qu'avec sa pilule, ça ne posait pas de problème. Je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Je crois que toutes les pilules sont associées avec un risque cardiovasculaire quand même. D'accord, je lui dirai. Oups. Je suis pour la paix des ménages. Hein, je crois qu'il faut toujours faire gaffe. Ouais. Ok, moi j'ai une question, la question naïve du mec qui connaît vraiment rien du tout. C'est quoi le problème avec les pilules de 3e et 4e génération? Si tu arrives à nous dire ça en vitesse. C'est des risques cardiovasculaires plus élevés, hein, tout simplement. Mais donc, il y a eu des morts ou quelque chose, enfin, ouais. Okay. Apparemment, statistiquement, il y a plus de risques. Effectivement, il y a eu plus d'accidents cardiovasculaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est dangereux ou c'est un ou deux cas isolés sur la planète qui ont fait beaucoup de bruit médiatique? Et ben ça, c'est la question, effectivement. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Le débat, c'est de savoir si vraiment c'est anecdotique et si il n'y a pas un tollé général, ou si vraiment c'est réel, en fait. Et ce n'est pas clair pour le moment, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez... Je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour le moment pour savoir si le risque est plus important que les autres, et si ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait un tollé... Pour histoire de faire de la publicité. Donc, il y a beaucoup d'évaluations en cours, en fait, pour le moment. C'est surtout ça. D'accord. Donc, on en est là, en fait, pour le moment. Ok, très clair, merci. Il y avait une question de Mr. Nose qui demandait, et la pilule du lendemain, on n'en a pas parlé.
Non, j'en ai pas parlé. La pilule du lendemain, c'est simplement c'est lié au fait ce dont on parlait avec Julie, c'est-à-dire que si une femme oublie la pilule, le taux d'hormones dans le sang va diminuer, donc l'efficacité diminue. Hein. Et le risque, c'est que si pendant ce temps elle a un rapport sexuel et que elle vient de produire un ovule, donc il y a un gros risque de fécondation. Alors pour éviter cela, dès qu'elle s'en aperçoit, elle va prendre une grosse dose d'hormones, et c'est ce qu'on appelle la pilule du lendemain, en fait. Donc si c'est pas trop tard, si elle peut encore empêcher la nidation, par exemple, c'est-à-dire que le fait que l'œuf fécondé va aller s'accrocher dans la paroi de l'utérus, donc en mettant une grosse dose d'hormones, on va pouvoir essayer d'empêcher ça, cette nidation. Donc c'est ça la pilule du lendemain, c'est une grosse dose d'hormones pour essayer de finalement aller parer au pire s'il y a eu un rapport sexuel non protégé finalement, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça en fait la pilule. C'est clair, je sais pas si oui c'est super clair. c'était terminé, mais il y avait on a eu une petite discussion dans la chat room à propos des implants. Ouais. David posait la question parce qu'apparemment il a croisé des gens en Irlande, enfin des nanas en Irlande qui ont ça et il trouve que c'est la super pratique et tout. Moi j'en avais entendu parler en disant, enfin ce que j'en avais entendu dire c'était que c'était pas tout à fait complètement au point, qu'il y avait des effets secondaires plus qu'avec la pilule et que voilà, enfin qu'il y avait des gens qui le toléraient mal, mais je sais pas ce que, enfin il voulait avoir ton avis. Moi c'est ouais. Un souvenir lointain de moi, je trouve ça super. Moi, personnellement, je trouve ça super, le patch, en fait. C'est génial. Encore une fois, je ne sais pas très bien en Europe où ça en est. Que je sache, aux États-Unis, ce n'est pas très utilisé non plus. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que ça dure. Alors, je ne connais pas les détails. Hein, mais effectivement, c'est l'équivalent. C'est-à-dire qu'on met un patch cutané sur la peau. Donc, hein, et puis, ça délivre une petite dose d'hormones tous les jours. Hein, et donc, la femme, elle n'a pas besoin de s'en rappeler. Et je trouve ça vraiment super, personnellement. Alors, il y a quelques désavantages que je sache, notamment le prix. Je crois que c'est beaucoup plus cher. Et donc, je pense que ça doit quand même freiner les gens. Ça, pour le moment, c'est pas très courant, donc c'est beaucoup plus cher. Mais c'est utilisé, par exemple, je vous m'entendez encore, je sais pas si vous êtes ouais, là. Ouais, on t'entend donc, bien. C'est utilisé notamment dans les hôpitaux pour les personnes qui ont des problèmes, une instabilité émotionnelle, les femmes qui ont des problèmes de schizophrénie, les femmes qui ont des problèmes mentaux importants. Souvent, on leur met des patchs en fait parce que elles sont plus prônes à oublier leur pilule et donc le patch, c'est vraiment une solution. Moi, je trouve ça super. Hein. Franchement, le patch, je trouve ça génial en fait. Mais c'est vrai que c'est pas encore très développé. Je pense que une des raisons, c'est peut-être les labos qui bloquent, hein, les labos qui fabriquent la pilule, le fait que c'est plus cher. Et je pense. Hein, je pense que là, ce sont les principales raisons. Maintenant, je sais pas exactement, honnêtement. Mais moi, je suis pour, hein, franchement. Bon, si c'est validé par Irène, c'est bon, non, je sais. On peut y aller. Est-ce qu'on avait d'autres questions J'en ai pas vu. Moi, j'avais éventuellement juste une remarque débile, mais parce qu'à chaque fois, quand on parle de la pilule, et c'est vrai, c'est très bien, c'est une révolution, parce que ça permet aux femmes de choisir quand elles veulent tomber enceinte ou pas. Et je trouve ça assez drôle quand on parle de contraception. À chaque fois, on dit bon, contraception masculine, évidemment, on en parle moins. Mais qu'on ne parle jamais du fait qu'un mec pourrait aussi vouloir choisir quand il veut un gamin. Ouais, je suis d'accord. Certes, il peut s'en aller en courant, mais il peut aussi se faire faire un enfant dans le dos. Enfin, c'est des choses qui ont existé et tout. Et je trouve ça assez drôle qu'on ne l'évoque jamais. Enfin, il me semble que ça peut poser problème au mec aussi de savoir quand il risque de faire un ou pas, quoi. Et on l'évoque jamais. Enfin, c'était juste une petite remarque comme ça pour finir, mais. Finalement, je trouve que les couples l'évoquent quand même beaucoup, en fait. C'est vrai que peut-être qu'en public, on n'en parle pas peut-être beaucoup, mais dans les couples, c'est quand même courant comme conversation. Et mon expérience en tant que
vieille femme mature, j'allais dire, c'est que souvent les hommes, souvent, ils sont pas toujours prêts à avoir des gamins, en fait. Et c'est souvent la femme qui déclenche, hein, qui dit oh non, mais quand une femme arrive vers la trentaine, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la tête, et que ce soit une pression sociale ou biologique, c'est un autre débat. Mais et souvent les hommes, ils disent oh là là, je sais pas. Ça ne veut pas dire que ça fait des mauvais papas, hein, pas du tout. Hein, mais du coup, j'ai l'impression que ce sont plutôt des discussions au niveau du couple, peut-être, qu'autre chose. Hein. Je ne sais pas, c'est mon impression. Hein. Reste qu'avec la pilule féminine, la femme a la possibilité de faire un enfant dans le dos de son mec, alors qu'a priori, le mec n'a pas la possibilité de... Et oui, de dire j'en veux pas, enfin tu vois, voilà. Et c'est ouais. Juste ouais, ça. Ouais. C'était juste une remarque comme ça. Et ouais, non, mais c'est hors sujet, mais comme ça a dérivé vers ça, je trouvais que c'était... Ben, c'est une discussion intéressante, hein. C'est un choix qui a fait de la nature, effectivement, où ben, c'est la femme qui est responsable de la reproduction. Oui, enfin, le fait de faire un choix, c'est un choix. Que ce soit la femme qui puisse faire le choix, c'est aussi un choix sociétal. Enfin, c'est vrai. Je me suis mal exprimée. C'est vrai que c'est la femme qui enfante, et c'est un choix de la nature, effectivement. Dans la plupart des cas, c'est la femme, effectivement. Et c'est vrai qu'on en arrive à un point dans nos sociétés où bah, finalement l'homme peut moduler aussi. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et les choix, du coup, sont très intéressants. Ouais. Ça sera intéressant de voir ce qui se passe dans les futures années, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pistes, hein, au point de vue contraception masculine. La vasectomie, c'est une piste très intéressante. Surtout que maintenant, il y a quand même des vasectomies qui sont réversibles. Je ne sais pas si messieurs, vous savez, mais souvent la vasectomie, ça fait très peur parce qu'on a l'idée de se faire d'abord couper quelque chose à l'intérieur du corps. C'est pas très confortable, et ensuite souvent les hommes ont l'impression que c'est pas réversible, alors ça fait très très peur, alors que maintenant il y a des vasectomies qui sont réversibles. C'est quand même très important, hein, de s'en souvenir, hein. Ça fait une grosse différence, donc tout ça effectivement ça fait des choix actifs, j'allais dire, et ça a un gros impact, ouais, je suis bien d'accord. Bah, merci Irène. C'est le premier volet passionnant. Tu nous parles de la prochaine fois ? Oui, je vous parle de la prochaine fois. Alors, la prochaine fois... Attends, je vais faire mon pitch. Alors, donc ce soir, on a discuté des hormones sexuelles avec une petite intro, mais le sujet est évidemment loin d'être épuisé. Alors, si je vous dis Conchita Wurst, si je vous dis Brigitte Bardot, si je vous dis Catherine Vidal, ça vous fait penser à quoi ? Et oui, en fait, le débat sur l'homosexualité, ça fait rage en France et un peu partout dans le monde, il faut bien le dire. C'est peut-être un signe, heureusement, que les choses bougent enfin. Mais la science a bien sûr son mot à dire, et les données dépeignent de mieux en mieux le fait que les hormones sexuelles ont un gros impact dans l'orientation sexuelle, qui est elle-même liée à ce qu'on appelle le sexe du cerveau. Donc tout ça, ça va être bien intéressant. Et donc même si tout le monde n'est pas d'accord, si les rôles de l'inné et de l'acquis ne sont pas universellement bien définis et en tout cas acceptés, il n'en reste pas moins que les recherches dans le domaine ne devraient pas, à mon avis, être ignorées par quiconque prétend avoir une opinion bien établie en la matière. Donc voilà, je vous invite à venir en discuter avec nous, donc le rôle des hormones sexuelles dans l'orientation sexuelle. Et j'espère aussi que vous viendrez nous amuser un peu avec nous en découvrant ce qu'est l'indice de Manning, M-A-N-N-I-N-G, messieurs, si vous voulez aller voir. C'est une anecdote marrante, mais néanmoins fort sérieuse. Et j'espère vous voir tous, vous entendre tous la semaine prochaine. Pour ce prochain épisode de Podcast Science. On sera là. Ok, et alors, t'es venue avec une couette ou... Alors non, je ne suis pas venue avec une couette, mais Joanne m'a sauvée. Merci Joanne. Et j'avoue que je suis vraiment super contente parce qu'il a trouvé une couette de ce monsieur que j'ai cité pendant le podcast. Et il a une histoire qui m'a beaucoup émue. Donc, c'était Ludwig Aberlant, ce monsieur qui finalement s'est suicidé parce que il mettait au point ses molécules pour travailler sur la contraception, et il a été tellement harassé par les populations qu'il s'est suicidé. C'est bien triste. Et donc, merci Joanne, en fait. Et voici la quote. Alors, elle est en anglais, mais je suis sûre que Alan, il va vous la traduire parfaitement.
Alors, theoretically, one of the greatest... J'arrive pas à me relire. pardon. One of the greatest triumphs of mankind would be the elevation of procreation into a voluntary and deliberate act. Alors, en français, ça nous donne, théoriquement, l'un des plus grands triomphes de l'humanité serait d'élever la procréation au rang d'acte volontaire et délibéré. Voilà. Et je trouve ça très beau, en fait, et bien dit. Hein. Ouais. Et voilà, donc oui, un jour, la procréation sera justement juste que pour le plaisir. Voilà. Magnifique. Et la quote. Bon, on enchaîne. Alors, on va revenir sur le quiz de l'été. Le quiz du mois, donc rebaptisé pour l'occasion quiz de l'été, revient lors du prochain freestyle qui aura lieu le 7 octobre. On s'attaque cette fois à la fameuse recommandation « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, info ou intox ?» Julie se charge de la réponse officielle de Podcast Science, mais n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez dans tous les formats que vous pouvez imaginer. Voilà, donc pour rassurer Maëlle qui sur Facebook s'inquiétait de savoir s'il allait rater... la diffusion de son message pour la réponse au quiz du mois, donc c'est bon, ce sera le 7 octobre. Et on répondra à cette occasion, enfin je répondrai, normalement, au quiz. Comment ça, normalement les quiz du mois, là, ça a été un peu variable, donc normalement, c'est bon. On y répondra, info ou intox. On enchaîne avec les plugs. Robin ? On enchaîne avec les plugs. J'en ai rajouté un sauvagement pendant l'émission. Du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, donc dans pas très longtemps, ça dépend quand vous écoutez cette émission, il y a la fête de la science au Palais de la Découverte autour du thème de l'année qui est le thème de la cristallographie. Alors, dit comme ça, cristallographie, pour ceux qui connaissent pas, ça a pas l'air hyper rock'n'roll, ça fait un peu technique tout ça. Mais donc, j'essaye quand même de vous aguicher un peu. Il y aura un stand de chimie pour expliquer les bases de la cristallographie, ce que sont des cristaux, etc., etc. Un stand de bio, de biologie, où on vous racontera notamment comment la cristallisation, on a pu connaître la structure de l'ADN en le cristallisant. C'est ce qui a permis de savoir comment il était fait. Entre autres, vous montrer d'autres trucs, mais j'ai pas encore tout. Enfin, c'est pas moi qui fais le stand de bio, ça vous surprendra pas. Il y aura un stand de maths où là, je peux vous décrire exactement ce qu'il y aura, où on aura des pavages 2D, des polyèdres pour essayer d'expliquer un peu toutes les bases mathématiques qu'il y a derrière, toutes les idées mathématiques qu'il y a derrière ces pavages, ces cristaux. Il y aura des exposés sur ces thèmes-là aussi, dans les trois disciplines, tout ça. Et il y aura aussi le gros truc qui sera vraiment sympa, c'est une construction de structures cristallines géantes. A priori, de mémoire, ça va faire à environ 5 mètres de haut, à faire tous ensemble en tiges de bois. Ça va être très joli, ça va être très sympa, ça va être marrant. Et tout ça complètement gratuit dans le hall d'entrée du Palais de la Découverte. De toute façon, pendant la fête de la science, les trois jours, le Palais de la Découverte est gratuit. Et en plus, j'y serai, donc si vous avez bien suivi. Donc ça fait une raison de plus pour venir quand même, je pense que... Waouh, ça a l'air super, hein. Franchement. Bah, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être vraiment super. La cristallographie... Et puis là c'est marrant parce qu'il n'y avait rien trop de prévu pour la fête de la science, et avec des collègues on a commencé à parler de cristallo et on était à fond, et on a commencé à parler de ça à une pause déjeuner, et puis voilà, l'événement s'est monté petit à petit comme ça. Et donc c'est avec des collègues qui sont vraiment sympas. Ouais, ça a l'air super, bravo, ouais. Et il y aura de la concurrence ce week-end-là, parce que moi, ce que je vais vous annoncer, c'est la Nuit des chercheurs à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Ce sera le 26 septembre aussi. Alors, le pitch est le suivant. À l'occasion de la 9e édition de la Nuit des chercheurs, venez vous balader dans l'écosystème des sciences citoyennes et participatives. Vous y découvrirez des questions de recherche dont vous ne soupçonniez pas l'existence et rencontrerez des communautés d'autodidactes passionnés. Venez prêter votre cerveau aux scientifiques, promis, ils vous le rendront en parfait état de marche. Au passage, venez tester votre créativité et révéler le chercheur qui sommeille en vous. Ateliers expériences, mini-conférences débats, speed searching, animations, tables rondes et autres surprises expérimentales. Une soirée résolument conviviale pour découvrir le monde de la recherche. Ce sera de 18h à 23h, l'entrée est libre et gratuite, ça se passe à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, c'est à Paris.
Et je tiens à dire qu'il n'y a absolument pas concurrence, puisque ça commence à 18h, alors que le Palais de la Découverte ferme à 18h. Ah bah c'est parfait, parfait, voilà le programme de la journée. Samedi, dimanche, toute la journée, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez tout faire. Merveilleux. Waouh. Bon, et il se passe plein de trucs au CERN aussi en même temps, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire mes copier-coller, là, donc ce sera pour la semaine prochaine. Pour les non-parisiens, il y a aussi des trucs à faire ailleurs. Ah, tant mieux. Alors, je passe deux messages de la part de Nico qui, comme vous l'avez entendu en début, peut pas être là. Donc, la première chose, comme vous le savez, donc on a commencé la rentrée avec un épisode au CERN, une soirée radio dessinée. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, vous pouvez le faire, retrouver, on vous mettra le lien dans les notes d'émission. Vous pouvez l'écouter sur SoundCloud, sur notre site. Et maintenant, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Donc, pour ceux qui aiment partager des contenus ou écouter des émissions de podcast sur YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. N'hésitez pas à y aller. C'est un format qu'on va essayer de maintenir. Donc, dites-nous si ça vous plaît, ça nous intéresse. Et en deuxième, donc, Nico va se lancer dans un nouveau projet. Alors, ça risque de devenir une rubrique du freestyle, je pense. Il vous propose de nous envoyer toutes les questions absurdes qui vous passent par la tête. Alors attention, il a bien précisé, pas de questions sérieuses ou qui existent déjà dans la littérature, on veut du bon what the fuck. Donc quelques exemples, si on avait une seule âme sœur, arriverait-on à la rencontrer? Ou à quelle température faut-il chauffer une tronçonneuse pour que la plaie qu'elle crée cautérise toute seule? Donc si ça vous parle pas, à mon avis ça doit être inspiré du livre What If, c'est Randall Monroe, c'est ça que Nico est en train de lire et qu'il a inspiré pour cette future rubrique. Donc lâchez-vous, je pense que Nico s'occupera de répondre à vos questions. Donc vous pouvez envoyer dès maintenant vos questions à jemedemandais@podcastscience.fm. L'adresse doit être créée normalement. Pour l'orthographe, ça s'écrit en français sans faute d'orthographe. Et au cas où, on la mettra quand même dans les notes d'émission pour que vous puissiez nous envoyer vos super idées et motiver Nico à nous faire cette rubrique. Ah, c'est super. Il y a une émission aux États-Unis, je me souviens plus, c'est peut-être en France qui est c'est une équipe de gars qui s'amusent à casser les mythes comme ça, qu'on voit des trucs pas possibles dans les films et justement d'aller voir si c'est possible du style effectivement combien il faut aller. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Non, ça existe pas en France, mais ça existe. Non, peut-être ça existe en France, mais je connaissais la version américaine moi. C'est ouais, d'accord. Mythbusters. Comme Ghostbusters. Ouais. Les casseurs de mythes, en fait. Ouais, c'est ça. Je vois sur podcast, ils le mettent. Et c'est rigolo, en fait, parce qu'ils prennent effectivement ce genre de questions et ils essaient de voir si c'est possible ou non. Et c'est marrant, en fait. C'est ouais, la même idée. Il y a moyen de bien s'amuser, effectivement. Après, je ne sais pas si quelqu'un pourra vérifier que ce qu'a dit Nico, c'est la vérité. Je pense pas qu'il y ait des recherches, des études qui soient faites, mais bon, ça peut être intéressant. Ouais. Ok, bah du coup, je pense que tu peux conclure, chef. Et bah alors, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. Oui, les cadeaux, c'est bien. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Merci encore à tous nos auditeurs et auditrices adorés d'être fidèles au poste chaque semaine. On en profite pour remercier les gens qui nous ont envoyé des dons récemment. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir et votre argent sera bien utilisé. On se retrouve le 16 septembre pour la seconde partie du dossier d'Irène, toujours sur les hormones sexuelles. Irène nous parlera du rôle des hormones dans l'orientation sexuelle. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao. Salut. Salut. Au revoir. Et puis Julie, chez toi, il y avait un peu d'écho. Et puis surtout, ah ouais, c'est parce que j'ai aucun meuble en fait. Ah ouais, bon, voilà. Je suis dans un appart vide. En tout cas, je suis contente. Mes poules, elles ont pas fait trop de bruit. J'avais un peu peur que j'ai des poules dans mon jardin. Et j'avais peur. Là, je me fais engueuler parce que je tape sur la table et Irène a des poules quoi. Qu'est-ce que tu fais avec des poules? C'est génial, ça recycle tout les poules.
Bah ouais, ah ouais, c'est vachement bien, j'ai des œufs tous les jours, hein. C'est attends, génial. Attends, t'as des œufs et elle te bouffe toutes tes saloperies. Bah ouais, elle les transforme en œufs. Attends, j'ai entendu récemment un truc, là, il y a une municipalité où le maire a offert des poules à tous les habitants pour qu'ils aillent, parce qu'ils mettaient pas leurs déchets et tout. Exactement. Ils avaient trop de déchets, les déchets étaient payants, je sais plus quoi. Et un peu. Le pouillot qui craque un peu, là. Il demande si l'opposition a offert des renards. Les jours raccourcissent et rallongent, ça d'accord, ok, on est d'accord. Ouais. Mais ça reste pas centré sur le même midi. C'est pas le milieu de la journée bouge suivant l'année. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où les jours, attends que je dise pas de conneries, où les jours continuent à raccourcissent, mais sauf qu'ils rallongent le soir et ils raccourcissent plus le matin que le soir, donc globalement ils raccourcissent, mais le soir ça se rallonge. C'est-à-dire que t'as un proverbe à la con de dicton de nos campagnes, tout ça, là, qui dit à la Sainte-Luce, les jours rallongent d'une puce. Et la Sainte-Luce, c'est avant le solstice d'hiver. Donc ouais, c'est une connerie de dire qu'ils rallongent. Mais en fait, si, le soir, ils rallongent à partir de cette date-là. Mais comme le matin, ils raccourcissent plus que le soir, ils ne rallongent, en gros, ils raccourcissent globalement. Vous êtes perdu ou... Romain, tu m'as manqué. Tu ne peux pas savoir. J'ai un compte Twitter que je ne gère pas. J'ai Michael Jackson qui s'est quand même abonné. Non, mais c'est vrai. Alors que je ne gère pas. Donc, je pense que je vais laisser les autres apprécier mes tweets. Bon, allez, salut les loulous, à la semaine prochaine. Tchuss. Bonne soirée.